la cousine en planque. Oh, oh non. Les enfants, faites attention aux fleurs. Allez jouer plus loin. Merci, maman. Les petits, faites attention aux grands. Allez, viens jouer avec nous, au lieu de faire ta princesse. Ça fait longtemps que je joue plus à la baballe. Gna 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 la baballe. Oh, quel gamin. Salut tout le monde. Ça y est, j'ai la réponse. Il reste une place pour le stage dont je rêvais. Apprendre à faire son fromage au royaume des chèvres. Ça s'annonce passionnant. Le stage dure une semaine. Je peux vous demander de garder Virginie? Bien sûr, la chambre d'amis est prête. Ouais. Eh mais j'ai plus 2 ans, moi. Je pourrais rester toute seule à la maison. Toute seule? Tu n'auras pas peur? Dis donc, c'est pas toi qui avais peur des fourmis? Ah, très marrant, Jean. J'étais en maternelle. En tout cas, c'est pas moi qui ai peur des filles. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Allez, papa, s'il te plaît. C'est vrai que tu es une grande fille maintenant. Tu peux rester seule si tu veux. Mais tu ne te couches pas trop tard. Et pas de bazar dans la maison, c'est promis? Promis, papounet. La vie toute seule, c'est génial! Papa? Déjà rentré? La maison est vieille, elle craque de partout. C'est rien, respire, c'est normal. Zen, super zen. Mon lit est cassé. Ton lit est cassé? Oh, non, c'est pas vrai. En fait, il y a des bruits vraiment bizarres chez moi et j'ai peur. Je peux dormir dans ta chambre? Tu préfères pas t'installer dans la chambre d'amis? Non, 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 s'il te plaît. Je préfère rester avec toi plutôt. Imagine, si Jean apprend que j'ai eu la peur de ma vie, il va se moquer de moi jusqu'à la fin de mes jours. C'est compliqué de te cacher dans ma chambre. Mes parents vont s'en apercevoir. Allez, ça se fait entre cousines de s'aider. Bon, d'accord. Tu ronfles. Martine, ça va? Oh, c'est rien. Tu as une petite mine? J'ai fait un cauchemar, ça m'a empêché de dormir toute la nuit. Bon, je vais voir si Virginie a survécu à sa première nuit toute seule. Non. Ah. Non, c'est pas la peine d'y aller. Virginie sera peut-être déjà partie. Oh, tu sais, qu'est-ce qu'elle aime bien arriver tôt au collège. Non, pas tape. Tu restes dehors, allez. Je t'ai pris un croissant, tu le mangeras en route. Vite, tu vas être en retard. Oh, c'est pas vrai, zut. Bah, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette échelle? Oh là 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 là, je me souviens plus de rien, moi. Je veux dire que je suis bien fatiguée. Comment je fais? Bah... Oh, Martine, dépêche-toi. Tu vas être en retard à l'école. Oh, viens là, mon gros chien-chien que j'aime. Oh oui, c'est mon toutou et ça. Allez, finis de te préparer. Oui, maman, j'arrive. On a eu chaud, hein? Mais comment on va faire pour le collège? Pour une fois que je peux y échapper. Hein? Quoi? Tu vas sécher les cours? Oh, c'est pas si grave. T'inquiète pas, cousine. Relax. Bon, tu fais bien attention de ne pas faire de bruit. Et surtout, tu ne vas pas te balader dans la maison. Ma mère peut passer à tout moment. N'oublie pas qu'elle a son cabinet vétérinaire juste à côté. À vos ordres, chef. Je vais être sage. Si mes parents apprennent que je te cache, je vais être punie, moi aussi. Oh, j'adore ton lit. Oh.
sûr que j'ai envie d'aider Virginie. Mais en même temps, je dois mentir à tout le monde, c'est horrible. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que ta cousine reparte dormir chez elle, comme c'était prévu. Mais c'est impossible. Elle a eu la frousse du siècle à cause de bruits bizarres. Elle a peut-être rêvé. On devrait aller voir la maison de Virginie pour voir ce qui s'y passe. Mais je sais. Il y a très 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 longtemps, un type vraiment louche habitait dans cette maison. Il avait des tatouages partout, pas de dents, des oreilles pointues, 11 orteils et tout et tout. Maintenant, son âme rôde dans la maison. Vous êtes sûre de vouloir y aller? Bon, tout est bien fermé. Personne n'est entré. Ce n'était pas un voleur que Virginie a entendu. Oh, vous entendez? Julie a raison. Il y a un esprit dans cette maison. Claire, t'es pas obligée de croire tout ce que raconte Julie. Au secours! Qu'est-ce que vous faites là, les filles? Rien. On est venu dire bonjour à Virginie. Elle est pas là. C'est papa et maman qui m'envoient. Jean-François vient d'appeler. Le collège l'a averti qu'elle n'était pas venue en cours aujourd'hui. Pourtant, je l'ai croisée ce matin. Elle partait au collège. Et elle m'a dit qu'elle passerait nous faire un petit coucou en rentrant. Virginie! Virginie, c'est moi! Descends, vite! Tu dois faire un petit coucou à la famille comme si tout allait bien. Virginie, on s'inquiétait? Dis-moi, jeune fille, le collège a appelé. Tu n'y es pas allée aujourd'hui? Qui, moi? Sécher les cours? Impossible! Mais oui, c'est ça! Il y a une autre Virginie dans ma classe, elle n'était pas là, ils ont dû confondre. Ah oui, ça doit être ça. Je vais appeler ton père pour le rassurer. Très bien, bon j'y vais moi. Bonne soirée! J'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose. Oui! Il faut vraiment que tu ailles au collège demain. On a eu très chaud aujourd'hui. Ma mère a des doutes. Oui, d'accord. Oh, mais allez! Oh là 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 là, Patapouf, tu arrêtes d'abîmer mes fleurs? Quel dommage, c'est encore raté pour le collège aujourd'hui. Comment on va faire? Tu peux pas encore sécher les cours. Fastoche, t'as qu'à appeler le collège pour leur dire que je suis malade. Ah non, 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 non. Ah, je ne peux pas mentir. Allez, va téléphoner, va aider ta cousine. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, mais je te préviens, c'est la dernière fois. Je n'en peux plus de mentir. Et ça va durer encore une semaine. Si au moins on savait d'où venaient les bruits de la maison. Oui, moi, personnellement, j'ai pas très envie de savoir. C'est peut-être rien du tout. Un courant d'air, la tuyauterie, des petites souris, je sais pas, moi. Mais non, c'est un esprit frappeur, je vous dis. J'ai lu plein de livres sur les phénomènes paranormaux. Il faut entrer en contact avec l'esprit et lui ordonner de partir. Tu es là, tu dois m'écouter. Je t'ordonne de partir loin d'ici. Ça marche pas trop, hein? Oh bon, allez, ça suffit les bêtises, faut partir maintenant. Psst, allez, ouste! Regarde.
peut-être y s'y retrouver coincée. Ah, génial! Ça veut dire que Virginie va enfin pouvoir rentrer chez elle. Oh. Jean-François, tu es déjà de retour? Mais oui, retour d'urgence. Le collège m'a appelé pour me demander si ma fille se rétablissait. Pourquoi? Elle est malade? Je suis passé à la maison, personne. Je me suis dit qu'elle était chez vous. Mais non. Bon, pas de panique. J'appelle la gendarmerie. Non, stop! Attendez! C'est pas la peine. Tout va bien. On va tout vous expliquer. Virginie, tu viens? Ton père est là. Bonjour, papa. Virginie? J'aurais dû tout vous dire. Pardon. Oui, tu n'avais pas asséché le collège. Attends-toi une bonne punition. Alors tu veux dire que tout ça, c'était à cause d'un petit pigeon de rien du tout? Eh oui. C'était vraiment pas la peine de te cacher. C'est normal d'avoir peur la nuit. Je me serais pas moquée, tu sais. Tu parles, je te connais. La prochaine fois, on te mettra une veilleuse et un doudou. Dis donc, tu vas pas t'y mettre toi aussi? Ouh, la peureuse! Ouh, la peureuse! Ouh, la peureuse! Ouh, la peureuse.